Alors, c'est cool. Je pense que oui. Ça a l'air d'aller. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien, les amis. Donc, on se retrouve pour un petit stream sur My Summer Car. Donc, un petit jeu pour les bricoleurs, en tout cas. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. C'est pas mon premier stream que je fais dessus, je crois. Ni ma première vidéo, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de vidéos et beaucoup de streams sur ce jeu. Je sais plus en fait qu'est-ce que j'ai fait exactement, mais j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait pas mal, ouais, pas mal de petits trucs assez sympathiques. Et j'avais commencé une partie, je crois, un stream que je vais continuer actuellement, maintenant, tout de suite, ou presque. Donc juste le temps que je finisse de me mettre en place et tout, et comme ça pour que tout se passe bien. Et voilà, hop. Donc on va mettre un peu de musique quand même parce que le jeu a de la musique mais qui est pas folle. Donc voilà. Ah, ça a le son du jeu, le son de la musique plutôt est pas trop fort. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, surtout faut pas hésiter à me dire si le son est pas très très fort ou pas très très bien ou quoi que ce soit comme ça. Il faut que je règle. Hop. Parce que comme ça, je fais un réglage. Hop, donc je vais démarrer le jeu, nickel. Ah, mon dieu, mon dieu. Bon, donc on est parti. Golden Eyes. On est pas Windows Z. Allez, let's go. Je suis tranquille sur ce jeu. Je sais qu'il n'y aura pas de problème. Alors, faut cliquer ici. On peut pas modifier le son, je pense. Pourquoi le son normal est sur le aux? Alors, virtuel output. Bah c'est lui. Là, normalement, il est en haut. Voilà. En gros, j'ai des petits problèmes de son pour une raison, c'est que je suis pas une excuse, hein. Mais oh, ils ont modifié un peu le truc. Encore. En gros, il y a dans la semaine, en fait, j'ai fait. C'est quoi ça? Radar booster. Donc c'est un détecteur de radar, je pense. Quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu le bordel, j'avais fait le plein je sais plus quand, j'ai même pas essayé de ranger. Va falloir que je fume une clope. Alors, où c'est qu'on en était? Est-ce que le moteur était monté? Je crois que oui, on avait fini de monter le moteur. Presque, parce que je vois qu'il manque des trucs quand même. J'avais pas les roues. Ah si, j'avais des roues. D'ailleurs, ma camionnette, elle est où? Elle est où ma camionnette? Eh, la camionnette, elle a disparu. Il y a un barbecue là. Il y a un barbecue qui. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué et. Là, elle est sacrément différente. Hein. Elle est où la camionnette? Elle est où la camionnette?
On m'a volé la camionnette. Parce que là maintenant j'ai presque plus rien pour me déplacer en fait. Mais ouais, elle est passée où ma camionnette? Et surtout que je crois que j'avais plus... Ah non, elles sont là les autres roues, ok. Ouais, mais je me rappelle pas avoir pris du charbon, moi. Okay. J'ai peut-être pris du charbon, je sais plus, je sais pas. Mais je sais pas où est passée ma voiture, dans la camionnette. Bon, on s'en fout un peu. Tant qu'on a ce qu'il faut... non, c'est ça, c'est pipi. C'est quoi la clope? Ah, c'est ça. Hop, on va fumer un petit peu, histoire de se détendre. Même si normalement, pisser, ça devrait détendre, hein, un petit peu. Mais ils l'ont retiré, la camionnette, ou quoi? Parce que, je sais pas, il n'y a plus rien. Elle y est plus. Parce qu'en gros, elle était là où il y avait les roues, en fait, la camionnette avant. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de camionnette, il n'y a plus rien. Elle est passée où la camionnette? Ça, ça doit être pour le travail, je pense. Mais vu que je fais pas le travail dont je veux... Voilà, en gros, elle a besoin de... De se faire vider, là. Je sais pas quoi. C'est bizarre leur truc là. Il y a un truc qui cloche là. Elle est passée où ma voiture? Là la camionnette. Tu sais, à part la mobilette, j'ai plus grand chose pour me déplacer là. Et le camion qui normalement est juste ici. Mais... pas logique là un truc. Mais même le camion il est plus là. Je me demande s'il n'y a pas eu une histoire de save corrompu ou quelque chose comme ça. Ah oui, il m'a fini tout seul la clope. J'ai m'acheter tout seul la clope. Ah, peut-être qu'en courant elle se donne, je sais pas. C'est bizarre, c'est ça. Mais je pense que ma save a été corrompue. Et maintenant je n'ai plus rien du tout. Là, j'ai plus les... J'ai plus rien en fait. Voilà, littéralement j'ai plus... Enfin, j'ai pas plus rien, j'ai plus de camion en fait. J'ai plus de véhicule. À part ma voiture quoi, normal. À moins que ce soit normal de plus rien avoir. Mais je crois pas qu'ils enlèveraient le... La voiture comme ça. Voilà, nickel. Alors, on a tout ce qu'il faut. Oh, je me rappelle même pas que j'avais mis les pare-boues. Que j'avais acheté les pare-boues. Alors. J'avais pas mis de courroie. Heureusement... Ah, ça devait être pour ça. J'étais allé en acheter, je crois, la dernière fois. Que j'ai joué. Et c'est pour ça que j'ai des courroies qui traînent ici. Hop. Putain, par contre, c'est un peu chiant. Hop. Nickel. Appuyez sur 2. Hop. Là, elle est pas serrée hein, quasiment. Non, elle est pas comme elle devrait être en tout cas. Ah, on peut régler les graphismes aussi. Cars control, player control, calibrate. Ah, j'ai soif. C'est parce que j'arrête pas de courir ça. Tac tac. Hop. On
on boit. On va aller prendre une douche. Donc je pense que le top, ça serait de recommencer du début. Surtout, faut pas hésiter à me dire si c'est le son du jeu trop fort ou pas assez. Là, je suis propre, comme un sous-neuf. Mais par contre, ouais, il y a un truc qui me chagrine, c'est pourquoi. Alors. Je sais pas vraiment. Bah, je la mets au max et puis on verra bien. Donc ils ont réglé plus ou moins le problème que quand on vissait un peu, il y avait on arrivait à desserrer, on va dire, le... Moi, en gros, si vous voulez, sur ma voiture, j'ai le même principe, en fait. Exactement le même principe. Au millimètre près. Les câbles d'allumage, ils sont... Ah, c'est tout en un bloc. Ok. Oh. Il y a un message. Oh, un truc. Ah oui, parce que c'est pas... Que j'avais... À une époque, j'avais des macros pour ce jeu, mais... C'était avant, et je crois que j'en avais pas sur cette souris-là. Pour pouvoir spam click le B pour pouvoir descendre plus vite. Hop. Ça, là, on est bien. Peut-être monter un peu le son du... Parce que vous devez peut-être pas entendre grand chose. Hop, voilà. Bon, après, y a pas grand chose à entendre à part les... mouches là. Non, on va redescendre. Il est où le machin? Je vais pas dire ce que je viens de faire, mais en gros j'ai pas fait quelque chose de bien. En gros, j'ai essayé de mettre un truc que j'ai pas mis, bien que j'ai pas mis comme il faut, j'ai oublié de mettre le berceau avant. Donc, le berceau tout court. Donc, c'est sûr que le support du moteur, il se pose ici. Ben, le moteur se met là, donc... Alors... On va faire tac...
comment déjà pour... Donc ils doivent avoir, je pense, des pneus à moi au garage, mais je peux pas aller les chercher. Vu que j'ai plus de véhicule, c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, comment... Ah, c'est juste sur F, ok. Non, il y a encore une vis hein, dessus. Il se trouve par ici. Mais de toute façon, je peux y aller partout. Bah, elle est voilà, les vis. Je pense qu'on va mettre la voiture. Bien en fait, comme il faut. Et après on mettra le moteur, etc. etc. Mais bah c'est en gros, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder ce qu'il y avait déjà dessus. Il manque une partie, non? Là. Non, si. Ça que je cherchais. Tac, voilà. Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Alors. Et c'est ça. Alors. Hop, j'espère que les musiques vous plaisent. On verra après pour ça. C'est pas forcément très très urgent le. Oh, le coup de boule que j'ai mis dans la... Hop. Ouais, il y a juste deux vis là. Pas la même. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder très longtemps. Voilà. Comme ça, on sera au calme, posé. Et donc je peux prendre les outils que j'ai besoin, comme j'en ai besoin. Voilà, ça c'est bien. Hop. Qu'est-ce que je vais avoir besoin encore ici? Je vais pouvoir mettre les... Par contre, ça me fait chier quand même de pas avoir l'autre... les camions, en fait, les autres véhicules. Ça me fait chier. Est-ce qu'ils les ont retirés temporairement? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors. Mettre ceci. C'est de l'autre côté, je pense. Je sais même pas si... Hop. Left and right, gauche, droite,
Donc c'est bien ici qu'il doit aller. Voilà, là il est rentré. Voilà. Nickel. Alors. On va faire comme pour l'autre. On va se mettre dedans. Merde. Et là, de l'intérieur, on peut faire des réparations. Les vis, on a besoin. Tac. Je pense qu'on a dû faire des conflits quand on a dû... Est-ce qu'il y a des nouveautés là-dedans? Non. 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 Il y a ça, mais je suis pas sûr que ça y était pas déjà avant, mais... Bah, il y a rien. On va faire une pause clope. Tout à l'heure, j'ai quand même loupé, je pense, une bonne partie de ma clope. Parce que je crois que c'est l'un des seuls moyens de pouvoir se déstresser, je crois. Je crois. Ça. Voilà, anti-stress, des hop, voilà. Comme ça, après, je vais aller manger. Non, non, jeu, bien sûr. Je sais pas si je peux mettre ça tout de suite. Non, je pense qu'il faut d'abord. FL. Ah, c'est bon. Ça c'est pour l'arrière. Ça va de l'autre côté. Hop, donc on dispatch un peu les trucs. Disc break, par contre, là, il n'y a pas de... Aïe. Voilà. Donc, faut que je serre avant de mettre, ok. Voilà. Mais ça me fait chier quand même qu'on m'ait piqué ma camionnette. Hein. Ou qu'elle ait disparu, je sais pas.
Non, en fait, je peux pas la prendre par là. Là, je la vois pas en fait. C'est pas, je peux pas la prendre, c'est que je la vois pas. Merde. Bah là, non, là, je devrais pouvoir la voir. Voilà, là on est bien. On va mettre ça aussi ici. Comme ça, je serre les deux côtés en même temps. Pas besoin de prendre deux clés différentes. Enfin, deux fois le. Non, c'est par ici. En dessous. Plus petit peut-être. Je sais pas où c'est que c'est exactement. Je crois que ce soit du 5. Putain, mais c'est pas possible ça. Mais non, il était. Oh, ma souris, alors. Voilà, là je les vois les vis. Celle-là. Merde, quel con, putain! Merde! Fais que des conneries. Donc là, va falloir que j'aille me coucher. Dans le jeu, hein, pas en vrai.
pas la foutre dans le fossé, surtout que j'ai plus rien. J'ai plus de voiture, plus de camionnette. Bah j'ai plus que ça en fait. Et la mobylette. Mais je pense pas que la mobylette elle puisse tirer. Là. Voilà. Ça me fait un peu chier mais... Allez, on recommence. Allez, voilà. Ça me saoule. Ça a l'air d'être bon. Hein. Merde. Putain, mais fais chier cette bagnole qui bouge là. Merde. Voilà, elle bouge plus comme ça. Ça commence à me saouler. Pardon. Ça commence vraiment à me saouler que ça bouge dans tous les sens et que... Et même là, elle bouge encore. Oh là. J'avais pas un petit pépin là. Donc il y a 4 vis en bas, serrées ici et là, je crois. Hop. J'essaie de me concentrer un petit peu. Pas toujours.
Comme ça, il me restera plus qu'en haut à faire, remettre la direction, ben mettre, et puis on sera bien. Le 35 minutes, c'est pas mal, 35 minutes. Ouais, c'est un petit peu long parce que je passe beaucoup de temps, je traîne un petit peu, je prends... Je fais pas non plus... je suis un petit peu... Mais... C'est pas le but de speedrunner, quoi. Là-haut, c'est pas bon. Hop. Tac, donc hop, on va reprendre ça. On va faire tac. Je fais au plus pratique, je suis pas forcément au plus rapide. Je sais pas jusqu'où j'étais allé. Voilà, les suspensions sont posées. Enfin, d'un côté en tout cas. Voilà. Je vais poser les disques. Juste comme ça, faut pas les serrer les disques. Pour une raison, c'est que pour mettre... quoi que je sais pas, peut-être que je peux les mettre sans forcément avoir besoin de quoi que ce soit. C'est bien le bon. FL, oui, c'est ça. Je vais essayer par-dessous, on va bien voir. Voilà. Alors, on a faim et on commence à avoir soif aussi. Alors. C'est vrai que ça me fait un peu chier d'avoir tout perdu, quoi. Voilà, nickel. Alors, on va vite fait serrer ses vis, on va manger et après on va aller faire dodo. Alors, je vais voir après. Je vais voir autre chose. Mais... J'ai même pas regardé si c'était la bonne que j'avais déjà. Non. Non plus. Aïe. Non plus. Non plus. Donc j'espère que ce stream vous plaît. C'est pas un stream peut-être très amusant ou très marrant ou ce que vous voulez, mais c'est un stream voilà qui est là parce que c'est je pense pour certains que ça va être la première fin la première semaine des débuts des vacances et de d'autres choses hein, en même temps. Merde. Aïe aïe, faut pas que ça tombe. Première semaine de vacances. Après les études, bac, tout ça. Donc voilà. Deux. J et deux. Voilà. Hop. On serre la vis. Tac, voilà. Comme ça, au moins, on a le volant. Là, les roues connectées. Ouh. Par contre, on a... Il faudrait faire la géo, mais je sais pas si...
c'est pas bien. Donc il nous resterait en gros en une journée, on a monté. Est-ce qu'il. Non, il n'y a pas de. Et on peut le mettre tout de suite. Donc on va mettre ça, on va serrer, comme ça on les oubliera pas plus tard. Non. Parce que si on se retrouve la tête dans le cul à devoir les mettre plus tard. Par contre, faudra serrer aussi les tuyaux de frein, les durettes de frein que l'on n'a pas serré encore. On n'a pas serré sur l'étrier qui sont derrière et puis aussi au niveau. Du reste. Donc là, on va miam miam. Donc hop, un. Hop, saucisse, hop, on boit. Hop, on va dodo. Hop, on coupe. Dodo, c'est ici. Une disquette. Aïe 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 aïe. Hop. Hop. On fait un petit pissou. Puis là on est pas mal hein. Hop, ok, allez, on repart. Ça me fait chier que ma voiture ait disparu. Au moins, ils ont tout laissé ici. Donc là, c'est serré, là, c'est serré. Il faut que je serre les étriers de frein. Deux. Pas les étriers de frein, les écrous de frein. À moins que ce soit pas serré ici. Attends, il y a des trucs que je pige pas bien dans leur histoire là. Ça c'est pour passer des vitesses. Là non, c'est celui-là la vitesse. L'autre ça doit être. Ça c'est pour le frein à main, je crois. Non, c'est petit. Je sais pas. Il y a des trucs, c'est un peu chelou. Ce truc. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jeté comme ça. Pourquoi pas. Bon, on s'en fout un peu pour l'instant. On va monter à l'arrière, comme ça au moins ce sera fait. J'espère que c'est pas le bon. Ouais. Non. C'est bien. Non, c'est le bon. FR, c'est le bon. Hein. RL plutôt.
Oh non, c'est pas possible, c'est l'autre. C'est de l'autre côté que c'est bon. RR. Allô, allez. Normalement, tu dois rentrer. Tu dois avoir une petite flèche. Ah. Je l'ai eu là. De côté là, je l'ai eu. Mais de l'autre côté, je sais pas pourquoi, je l'ai pas eu. Voilà. 1. Non, J. Voilà. Mais ils auraient dû le mettre en mode en fait. Ah là je l'ai eu aussi. Le poussage ils auraient dû le mettre en mode. Et pas comme ils l'ont mis là. 2. Allez on sert ça. Hop, allez nickel, voilà. Voilà, nickel. Ça, non, j'ai pas besoin de plus que ça. Non, il n'y a pas de... Voilà. Donc, à l'arrière, on met les ressorts. Non, il n'y a rien besoin pour les ressorts. Voilà. Non, dans le break, il n'y a rien de particulier à faire là-dessus. Et après, on pourra mettre l'amortisseur avant, arrière. Hop, 2. Nickel, là on va hop chercher la bonne vis, le bon écrou. Non, ça c'est plus gros là. En théorie, c'est censé être le même que devant, hein, dans la même taille en tout cas. En théorie, enfin, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Non, aujourd'hui dans le jeu en tout cas il est censé y avoir un rallye. Attends, est-ce que c'est le bon? Non, il n'y a pas de... Hop. Là par contre je vois mieux là. Hop. Et c'était la bonne.
Hop, voilà, nickel. Bon, donc je vais faire autrement. Ok, allez, alors on est bon. Nickel. Voilà, on est pas mal là. Oh, ils ont foutu un rétro. Ils ont foutu un rétro qui est plutôt pas mal. Bon, il est un peu... Ok. Si, si, il est bien foutu. D'accord, bien foutu. Alors, hop, là on est pas mal. Est-ce qu'on met les roues tout de suite? Non, je pense pas. On va pas mettre les roues tout de suite. Alors, où est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on en est? Là, on est pas mal, mais je vais pas mettre le moteur tout de suite. Je vais faire tout ce qu'il y a à faire derrière et sur les côtés, derrière le moteur. C'est-à-dire placer les câbles de frein, d'embrayage, etc., etc. Afin de pouvoir mettre le moteur et qu'il n'y ait plus rien à faire après. Voilà. Alors... On va prendre ça. Prendre ça, j'ai dit. Bah, c'est carrément... Voilà. Donc, hop, on a les clés. On a donc je sais pas s'il y a beaucoup de vis en 5, mais ah, par contre là, je peux pas les mettre. Aussi, il me restera à faire du câblage électrique que je n'ai pas fait auparavant. Parce que je ne pouvais pas le faire, tout simplement. Lui, c'est même pas la peine. C'est vrai que j'essaye de le mettre plus gros. Par contre, ça c'est un peu chiant de devoir toujours appuyer. 1. Je sais pas si je peux le mettre là ou si je suis obligé de le mettre sur la voiture. Ouais, je suis obligé de le foutre sur la voiture en fait. Sur le moteur, plutôt. Je pense, non?
dis, je pensais pouvoir le mettre comme ça, mais là, sur la voiture directe, mais je pense qu'il aurait fallu que j'attende d'avoir... ça, c'est pour l'embrayage. Il est où l'autre? Ah, il y en a un autre. Le truc, c'est que si... Ah si, je le vois. Je l'ai vu. Vachement bas le truc. On revient sur l'outillage. Nickel. Hop. Non. Donc j'espère que ce petit stream vous plaît. Hop. Et que vous passez un bon lundi matin. What? Ah oui, mais je sais pourquoi. Maintenant j'ai compris pourquoi. Donc c'est du 7. Parce que je peux pas utiliser. Donc c'est logique, ce truc est logique. Le jeu est logique quand même. Parce qu'en gros, je peux pas me servir d'un cliquet sur un tuyau. Voilà. Chose qui est entièrement logique. J'approuve à 100%. Alors, du 9. Non, c'était du 7. Il me fallait pour le tuyau. Non, si. J'espère c'est peut-être pour ça que l'autre marchait pas non plus. Oui, c'est pour ça. En fait, ça marche toujours. Je pensais qu'il fallait toujours avoir l'embrayage, qu'il fallait avoir la boîte et tout pour que ça marche, mais en fait, non. Là, voilà, ça s'est mis. Le Master Vac, mettre cylindre. Non, c'est pas le. Ben, pas le Master Vac là-dedans, d'ailleurs. Là-dedans, d'ailleurs. Voilà, je l'avais. Voilà, nickel. Allez, hop. J'ai pas de... Pour l'instant, j'ai rien pour le frein. Parce que la tuyauterie, elle est... Ça, non. Si, ça. Breaking line, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, la tuyauterie... Donc, c'est pour ça que je devais pas avoir de visserie sur le truc. On a sur les freins parce que j'avais pas ça. J'ai mis en place. Tac, tac. Hop. Donc on sert les écrous de la tuyauterie, des freins. Il en reste un là. Par ici, non. Nickel, bon. Tout se met bien en place. C'est pas mal.
Par contre, ce qui me chagrine là, c'est que je trouve pas ce qu'il faut que je serre de ce côté. Tout soit bien serré avant que. Avant que je ne mette du liquide, quoi. Alors. Là, ok. Je sais plus. Là, il y a un truc là. Mais tu, ils sont même pas dedans. Ridicule. C'est vraiment ridicule là-bas au bout. Voilà, nickel. Maintenant je peux redescendre le creek parce qu'il ne sert à rien ou presque. Allez, pinaise là. Voilà. Nickel. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que je l'avais serré là? Oui. Nickel. Qu'est-ce qu'il me reste encore à mettre là? Ça, il me reste aussi. Ça vient par là. Hein. Allô, allez, on rentre là-bas dedans. Non, il se met pas. Bah non, c'est. Je sais pas comment il se met, mais bon, il se met quelque part. Donc ça se fout là-dessus, mais je crois pas. Hein. Non, ça se met pas là-dessus. Tant pis, il veut pas se mettre pour l'instant. Ah, yeah, oui. C'est vrai que j'ai pas mis sur le moteur. Mais c'est nouveau cette pièce. Ah non, okay. Attends, normalement ça vient là-dessus. Hein. Ok. Ça commence un peu à me saouler là de tourner en rond. Alors,
va le mettre. Pour l'instant, je vais mettre tout ce qui est de base. Alors, celle-là pour l'instant, elle dégage. Moi je préfère celle-là. Que quand il y a de la tuyauterie ou là je préfère l'autre, mais là, je suis obligé de prendre l'autre. Je la préfère, mais... Yep. pas si je peux les mettre maintenant ou pas. Non, je crois pas. Donc là, il y a un petit peu de câblage à faire déjà. Donc pour faire du câblage, si, je crois que c'est ça. Hein. Donc il faut. Merde. Faire de là. Ici. Putain. Comment ça marche leur truc? Voilà. Je sais plus si maintenant la masse de toute façon. Putain, il y a du câblage, mais le truc c'est que c'est pas évident leur connerie là. En fait, je fais des trucs, je sais même pas ce qu'il faut faire. Enfin, comment faut le faire, c'est pas...
Le truc, c'est qu'il n'y a rien sur le pôle moins, là. Qu'est-ce que tu... Ils ont mis une masse invisible ou quoi? Attends, on va essayer un truc. Il n'y a pas de masse, pour moi il n'y a pas de masse en tout cas. Et ça, ça m'énerve. Putain! Pardon. Eh merde, quel con! Parce que j'y ai pas appuyé sur le bon truc, donc j'ai laissé tomber le bordel. J'ai pas appuyé sur F, j'ai cliqué droit pour le lâcher. Ben gauche. Et là, pour moi, il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. Je sais pas si vous, vous voyez les mêmes choses que moi, mais pour moi, là, il n'y a pas de masse. On va poser ça, on verra plus tard. Quand... plus tard, hein. Là, moi, ça commence à me prendre le chou, c'est doux. Il va comme un gros cochon. Je pense qu'on va pas trop tarder à s'arrêter non plus. De toute façon, je vais bien quand quand j'aurai fini de la monter, s'il y a de la masse ou pas. Je sais pas pourquoi il manque un morceau là. Parce que ça c'est... Non, c'est le bon en moto, ça. Je vais le baisser parce que ça me saoule.
Alors, est-ce que je peux mettre maintenant ceci? Je peux. Voilà. C'est que ça que c'est bon. Non, ça marche. Ah merde. J'ai vissé un truc là. Ah putain, pourquoi c'est pas vissé là? Donc voilà, ça avance pas mal. Hein. La voiture est presque prête. La carcasse, on va dire. Le châssis. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais quand même mettre le filtre à air maintenant. Et où le filtre? Où es-tu? Où te caches-tu? Il est là. Sûr que je risque pas de le trouver dans là où il n'est pas, quoi. Alors, il me faut deux petits. Bon, donc voilà, là on est pas mal. Peut-être reculer un ch'touille. Hop, on descend tout ça. C'est pas trop mal, hein? On est pas mal du tout, même. Un petit peu plus loin, peut-être. Est-ce que c'est bon, hein? Un petit peu trop loin peut-être là encore.
avancer encore un petit peu, peut-être. Putain, mais ça me fait chier, pourquoi... Ah merde. Pourquoi je l'ai grippé, quel con. Et pourquoi la batterie, elle s'est barrée? Salut, Jonathan. Putain. Oh là là. Oh, bordel de... Pardon. Ah, putain, chiotte. Putain, j'en ai marre. Putain, le truc c'est que j'étais bien en plus, le pire c'est ça. J'étais bien mis et tout et l'autre il me fait chier. Oh, I'm French. Hop. Pam 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 pam. Allez. Putain, fais chier jusqu'au bout. C'est pas. Ah putain, j'ai chié, faut que je recommence. Je vais remettre toutes les vis. Oui, vito, y'a vito. Ah oui, bien stressé, fait chier. Faut que. Voilà. Bon. Petite pause club. Pas pour moi parce que je fume pas, mais pour lui. Bah pendant ce temps-là, je vais monter. Je vais monter le moteur au moins à hauteur de. Pour pouvoir le mettre à sa place. Tu sais que le plus chiant à faire, c'est de remettre le moteur à sa place. Après, le reste, ça passe, mais... Le moteur, c'est le plus chiant à mettre. Hop, voilà, allez. C'est pas encore assez élevé.
Bon. Un ennemi. On va essayer de mettre le moteur en place. J'ai pas compris l'histoire là, mais... Alors, est-ce qu'il est... Il a l'air pas trop mal. Vraiment pas trop mal. Là, de se mettre bien en place, en tout cas. Par exemple, il faudrait que je fasse un macro là pour ça. Petit peu peut-être sur la droite. Rip le moteur, la batterie. Allez, descends-moi ça. Mais je suis trop devant ou trop derrière, faut savoir. Hein. Ah, ça y est, je le suis. Je peux le fixer. Je peux le fixer. Je peux le fixer. Hop. Je peux le fixer. Et j'ai l'impression qu'il s'est démis auto... Ah. Ah non, c'est la batterie qui s'est barrée. J'espère qu'il est enlevé. C'est bizarre cette histoire. Qu'il ait enlevé la batterie juste parce que le machin s'est mis en place, que c'est un peu bougé et tout. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire sur la batterie. Cette vis là? Ah oui. Alors, c'est qu'on va pouvoir enlever aussi les vis. Donc là.
Ah non, il me les a enlevés automatiquement aussi. Et en gros, quand il a viré la batterie, il a viré aussi ça. Bon, après, tant mieux. Hein. Voilà. Maintenant, je vais devoir aussi faire un truc avec la bougie, je suppose. Non, j'ai mis là le câble. Le câble. Tiens, oh, ça commence à me saouler ce truc. C'est mal foutu leur truc. Je sais qu'il y a des schémas, il y a des machins, mais c'est mal foutu. Ignition. Ok, donc il l'a fait automatiquement. Like connecting game. Ouais, mon anglais est pas très bon. Bon, ça me saoule déjà. Bah, en fait, c'est pas que ça me saoule. C'est que il y a pas mal de bugs sur le jeu. Et là, limite, j'ai pas l'impression d'avancer en fait. C'est un peu le truc qui m'énerve. Non, c'était pas la bonne clé. Alors, ouais, c'est peut-être un petit peu gênant comme ça. Ah là, c'est bien. Donc deux. Voilà, nickel. C'est mis aussi là-dessus. Il n'y a pas encore en dessous. Hop, voilà. Donc là, je vais essayer de mettre le contact, mais je suis sûr à 90% qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de masse. Voilà. Il n'y a pas de masse, donc ça sert à rien. Je sais même pas comment on fout cette putain de masse. C'est ça, j'ai galéré tout à l'heure pendant 20 minutes et j'ai pas réussi à foutre une putain de masse, pardon. Voilà. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le réservoir et son tuyau. Et puis après, je pense que je vais m'arrêter là. Où ce con? Putain, il s'est foutu. Ah, il s'est mis dedans. Voilà. On va mettre aussi, tant qu'on y est, le tuyau qui va avec.
Par contre, il va me falloir le ticket. Et aussi, il va me falloir de l'autre caisse. En fait, il me faut les deux caisses. Au final, je vous montre juste pas. Ça ira très bien. Parce que, en gros, il faut que je visse les vis qui sont là. Donc, voilà, faut les visser. Et après, il y a la durite d'essence à visser. Et elle, la durée de dessin, je peux pas la faire avec le cliquet, chose qui est normale. Hop, nickel, je peux pas, c'est bien. C'est pas bon. Qui c'est que ce qui est bon? Voilà, elle est bonne. Et surtout, faut pas que j'oublie de serrer le tuyau parce que dans la durite. Parce que sinon, je vais pouvoir faire 3 mètres avec la voiture et après, plus rien. Si je serre pas tout de suite, j'aurai un truc un peu comme ça. Celle-là en 7, non. Après, c'est pas le même tuyau. Mais... Non, c'est pas le même tuyau, donc c'est pas la même vis. Pas du 8. Et le 9. Est-ce que ça pourrait être le 9? Ok. Du 10 alors? Ouais. Après, je sais pas s'il y a vraiment une histoire de... Visiblement, il y a l'air d'y avoir une histoire de taille de vis. Mais de là à te dire, bah, ça c'est du vis. À vue d'œil, j'arrive à deviner. Hein, parce que c'est... Mais comme ça, non. Là, sur le jeu, non, c'est pas aussi évident que dans la vraie vie. En tout cas. Hop. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce jeu. Je pense que je restreamerai demain matin de toute façon. Hop. Mais sur un autre jeu. Sur je sais pas quoi encore. Mais demain matin, c'est un peu beau. Donc j'espère que ce petit stream vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez une suggestion de quoi que ce soit. Par contre, c'est dégueulasse leur truc là. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur mes portières. Parce que là, c'est vrai que moi, en gros, là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai perdu ma camionnette. Mon camion aussi. J'ai perdu. Pourtant, je m'en suis jamais servi du camion. Il était à sa place et tout. Je m'en suis jamais servi. Mais par contre, ils m'ont laissé tout ce qu'il y avait dedans. Les pneus slick qu'il y avait dedans, ils sont là. Voilà. Donc ça me vénère un petit peu. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus? D'ailleurs, j'ai encore des pneus à aller chercher, mais vu que j'ai plus de voiture pour aller les chercher... Parce que je pense pas qu'en mobilette ça va faire le café. Après je peux toujours aller en tracteur, mais bon. Ça fait pas tout à fait un bon effet. Tac. Ok, donc j'ai déjà un peu d'avance sur tout ça. Voilà.
Donc là, on a 4 jeux de pneus qui sont pas standard. Donc on a des pneus route, des pneus de terre et des pneus slick. J'ai encore un jeu et demi de jantes, plus un autre jeu qui doit être au garage, je pense. Plus un demi-jeu là, tout neuf. Ah non, ah non, j'ai un deux tiers de jeu plutôt. Non, trois quarts plutôt. Donc voilà. Et là, j'ai des pneus usagés. Donc on voit la différence. Parce que maintenant, il y a une histoire d'usure. Il n'y avait pas il y a quelques temps, on va dire, sur le jeu. Ah, par contre, je vais le virer parce que ça me saoule. Je vais le mettre à un autre endroit parce que j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin d'enlever le moteur. Voilà, nickel. Ça me laisse de la place dans le garage. J'espère que ce stream vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. C'était même si c'est bizarre. Je vous dis ciao.